Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Il est déjà 8h45 et les enfants sont déjà partis à l'école, donc je viens d'aller les déposer. Marceau dort encore parce qu'il a une bronchite, donc il va rester là le temps de se remettre, donc je pense qu'il ne retournera à l'école qu'après les vacances. Aujourd'hui, c'est un jour pas particulier, non. Juste que voilà, j'ai pas vlogué ce matin parce que nous sommes jeudi et que le jeudi en général nous sommes en retard. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce que c'est le tour d'Adam de mettre la table. Et que donc, quand c'est Elsa ou Côme qui dresse la table du petit déjeuner, on peut se mettre à table en moyenne vers 8h, enfin vers 7h. 7h40, 7h45. Quand c'est Adam, on se met à table à 8h. Pour monter s'habiller à 8h10. Voilà. Et encore à 8h, quand on monte s'habiller à 8h10, on est en retard. Donc en général, on monte s'habiller à 8h. Mais voilà, vu qu'Adam, lui, ne met la table qu'à cette heure-ci, eh bien, c'est très compliqué. Donc nous sommes quasiment toujours en retard le jeudi. Il faudrait peut-être que j'envisage de les lever plus tôt pour que justement nous soyons à l'heure. Mais bon, c'est pas le cas. Alors aujourd'hui, j'ai rien de spécial vraiment à faire, si ce n'est qu'il faudrait que j'aille au garage emmener ma voiture parce que oh, drôle de couleur, parce que en fait j'ai mon voyant de frein à main qui ne s'éteint plus. Voilà, donc je desserre mon frein à main et le voyant reste allumé sur le tableau de bord, donc c'est pas normal que je fasse ça ce matin ou cet après-midi, mais je pense que j'irai cet après-midi parce que là Marceau dort encore, j'ai pas envie d'aller le réveiller. Enfin, quoi que si, parce que après, il veut plus dormir l'après-midi. Mais bon, du coup, on ira se promener, c'est pas grave. Donc, je vais le laisser dormir ce matin, puis on ira se promener cet après-midi. Il faut que je termine mon rangement, parce que voilà, par rapport à hier, il y a quand même eu beaucoup de choses de rangées, et dans le salon, et dans la cuisine, mais voilà, c'est pas encore le top du top. Donc, je vais finir mon rangement. Je vais passer l'aspirateur et laver par terre, et puis ensuite. Ben ensuite, j'ai du tri à faire un peu partout, principalement là-haut, parce que j'ai sorti en fait les cartons de vêtements que je stocke pour les enfants, c'est-à-dire les vêtements de Côme, quand ils sont trop petits pour lui, je les mets dans un carton, je les garde pour Adam. Pareil avec les vêtements d'Adam que je garde pour Marceau, donc j'ai plusieurs cartons. J'avais également gardé les vêtements d'Anaïs pour Elsa, on a fait le point hier dans le carton et elle ne veut rien garder. Donc Elsa, concrètement, voilà, il faut que je rachète tout pour elle. Avec Côme, j'ai pas mal de chance parce que j'ai une cousine d'Eric qui m'a donné énormément de vêtements. Et voilà, donc c'est super précieux. Donc pour Côme, j'achète rien, je récupère. Bon, là, j'en ai plus sous le coude. Hein, tout. Ah si, d'ailleurs, je dis des bêtises. J'ai encore un carton en 10-12 ans parce que Côme, il n'est pas encore réellement passé aux 10 ans. Donc là, hier, il a essayé un pull en disant justement qu'il venait de Valentin. Et non, c'était encore trop grand. Donc bon, il l'a porté quand même la journée. Mais voilà, je garde donc les vêtements en 10 ans encore un ou deux mois. Je vais j'attends de voir et puis on avisera. Du coup, j'ai des vêtements pour Adam, j'ai des vêtements pour Marceau. Donc il faut que je vide le vêtement, le carton de Elsa, du coup, puisqu'elle n'en veut pas. Donc je vais les donner aux associations. Et puis. Bah du coup, ma salle de bain sera rangée. Il faut que je range ma chambre aussi parce que j'ai toujours pas refait ma coiffeuse depuis que Marceau se l'est pris sur la tête. J'ai tout posé en vrac comme ça sur la commode et je voudrais bien réorganiser tout ça. Et puis j'ai laissé mes vêtements sales par terre. Il faut que j'aille les ramasser. Donc voilà, une fois que la salle de bain sera faite, ma chambre aussi, et bien logiquement, on aura déjà bien avancé. Je voudrais également poncer en fait la console que j'ai mise dans ma chambre pour pouvoir repeindre le plateau dessus, que ça fasse propre. Il faut que je me trouve un miroir aussi pour poser dessus, pour que ça fasse vraiment coiffeuse. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu fait à l'arrache. Donc voilà, mais ça fait beaucoup de choses à faire. Ça fait beaucoup de choses à faire, mais ça va être des choses assez rapides. La coiffeuse, je vais pas la penser aujourd'hui. Hein, donc, je vois que j'ai ma copine Caroline qui m'envoie un message. Tu peux passer si tu veux, je suis à la maison. Mais du coup, avec Marceau, je pourrais pas. Je vais lui proposer à elle si elle veut passer plutôt. Mais voilà. Donc bon, je pense que je vous reprendrai ce midi un petit peu pour vlogger un peu avec les enfants. Il faut que je me décide aussi, que je regarde sur ce que je vais faire à manger.
Que pour l'instant, je vais m'activer un petit peu avant que Marceau se lève. Et puis ensuite, je vous reprendrai certainement ce midi avec les enfants. Voilà. Regardez qui vient de se lever. Moi. Ouais. 10h moins le quart encore. Donc ça veut dire pas de sieste cet après-midi. Papa. Ah ouais, je sais bien. Papa est au travail. Non, papa, il dort, mon cœur. Il a travaillé cette nuit, papa. Papa, il n'a pas travaillé, petit. Cette nuit, il a travaillé. Papa travaille cette nuit, et maman. Oui, bah oui. Bon, j'avance hein, dans mon rangement ménage. Voilà, je vous montre ma nouvelle configuration de cuisine. C'est pas encore nickel, hein. J'ai pas fini de ranger, de nettoyer, mais voilà. Ça, c'est toujours mon plan bordel. Alors, je ne sais pas quoi faire de cet endroit. Est-ce que je vais le laisser? Est-ce que je vais l'enlever? Mais j'aime pas non plus avoir l'angle vide. Alors, je ne sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas trop. On verra à l'avenir. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. La salle à manger, bah, enfin, le salon, pour l'instant, j'ai rien touché. C'est toujours le bordel. Alors, ce meuble, j'ai trop hâte qu'il s'en aille parce que c'est le dépotoir, en fait. Tout le monde pose tout et n'importe quoi dessus. Et du coup, personne ne range. Alors, au fond, il y a la cage d'échange avec toutes les crottes qu'on volait par terre, évidemment. Et puis, on a rangé un petit peu tout ce qu'il y avait par terre autour de du canapé, des tables et tout ça. Donc là, il faut que je ramasse encore un petit peu et puis que je passe un bon coup d'aspirateur, que je range ma table à repasser et tout ce que j'ai sur mon bureau. Ouais, j'ai des couches en fait qu'on m'a données. On m'a donné des couches et moi, j'en ai plus trop besoin. Donc je vais les mettre de côté puisque quand Marceau a été malade la semaine dernière, on en avait racheté. Donc je vais les mettre avec et puis je vais les garder. On ne sait jamais, ça servira peut-être à quelqu'un un jour. Donc voilà, ou alors je les donnerai à qui voudra les prendre. Voilà. Bon, moi, je poursuis mon rangement. Là, il faut que je fasse la vaisselle. Marceau m'a fait remarquer que je n'avais pas fait la vaisselle alors que j'ai deux trucs à laver. Trois avec le couteau. Je vais aller faire ma vaisselle pendant que monsieur mange. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Bon, bah, Marceau m'a ouvertement demandé d'arrêter mon ménage. Donc, j'arrête mon ménage et nous partons du coup visiter Caroline qui me l'a proposé. Comme j'avais des choses à faire sur la commune où elle habite. Merci, maman. Du coup, puisqu'elle habite en fait à Chemillé et que c'est là que je dois aller au garage en fait. Donc, tu fais attention qu'il n'y ait pas de voiture pour traverser. Fais attention. Bonjour. J'ai pas de clé. Alors, Eric, faut savoir qu'Eric ne remet jamais la clé de la voiture à sa place. Heureusement, j'ai la mienne dans les poches. Donc, désolée pour le gros plan. C'est parce qu'en fait, je tiens mon gilet jaune sous mon bras. Du coup, il y a un peu de mal. Mais voilà. Donc là, du coup, on va partir voir Caro. Je vais en profiter pour aller à la pharmacie chercher les médicaments de Marceau. On va passer au garage, du coup, voir ce qu'il en est. La voiture, est-ce qu'il va vouloir la réparer ou non? Et puis, voir si je peux aller chez mes parents pour Pâques. J'aimerais bien. Donc voilà, on est parti. Bon, il est 14h. J'ai ramené les enfants à l'école il y a déjà un petit moment. Marceau est à la sieste. Ce midi, on a mangé très très speed parce que j'ai été retenue à l'école un petit peu. Et du coup, on est rentré plus tard que d'habitude. En maman très prévoyante que je suis. Je n'avais pas préparé le repas, donc du coup, on a mangé des sandwichs et puis comme ça, on l'a fait rapide. Ce matin, du coup, je suis allée au garage en fait pour ma voiture. Donc j'ai vu le mécano et lui, il me dit qu'en fait, la butée d'embrayage, déjà, c'est pas ça qui fait du bruit. Lui, il pense que c'est le volant moteur. Alors moi, je ne sais absolument pas ce que c'est, hein, qu'on soit clair. Il m'a dit que s'il devait le changer, c'était 1000 euros, juste la pièce. Sachant que s'il change le volant moteur, il change l'embrayage en même temps. Donc l'embrayage, la butée, je ne sais pas quoi. Donc il faut compter à peu près 1500 euros de pièces. Donc il m'a dit, après, vous rajoutez la main d'œuvre et ça va vite chiffrer, quoi. Donc...
Il m'a dit qu'on va éviter de le faire si ce n'est pas à faire, puisque il m'a expliqué qu'en fait il n'y a pas vraiment de niveau d'usure sur le volant moteur et que donc en gros il peut tenir comme ça pendant 3 ans comme claqué dans une semaine quoi. Donc il m'a dit en gros faut que je prenne le risque. Hein. Donc je pars chez mes parents avec une voiture à moitié fiable. Bon, il m'a dit que pour le rapatriement de la voiture, on pourrait s'arranger si vraiment je tombe en panne loin de la maison. Puisque du coup, l'assistance va rapatrier la voiture dans le garage le plus proche. Donc, ça va pas forcément être celui qui va m'arranger le plus. Mais bon, apparemment, si je l'appelle, on va pouvoir s'arranger. Mercredi quand même, je remène ma voiture au garage parce que, comme je vous l'avais dit dans le vlog d'hier, je crois, j'en ai parlé hier, j'en ai reparlé ce matin, j'ai mon voyant de frein à main qui ne s'éteint plus, enfin qui ne s'éteignait plus. Du coup, j'en ai parlé en même temps vu que j'y étais et il s'avère que j'ai bien fait d'en parler parce qu'en fait, c'était mon liquide de frein. Le bocal du liquide de frein était presque vide. Donc, le mécano m'a dit que c'était étrange, étant donné que la voiture est sortie du garage en septembre. Ça fait à peine 6 mois, donc bon. Il m'a dit à surveiller. Du coup, là, ils m'ont rempli le bocal pour que je ne sois pas embêtée les jours à venir. Mais du coup, je dois la ramener mercredi pour qu'il voit si vraiment il n'y a pas un problème. Parce que comme je dois faire la route pour aller en Bretagne pour Pâques. Voilà, je vais être sûre de pas ruiner ma voiture en y allant, quoi. Donc j'ai appelé ma maman pour lui dire que nous pouvions venir à Pâques. Elle était très contente. Nous sommes très contents également parce que du coup, ça permet aux enfants de pouvoir aller chercher les œufs dans le jardin. Et c'est génial puisque nous, ici, on n'a pas de jardin, donc on ne peut pas le faire. Donc on est contents. Alors après, ça va juste être sur quelques jours, je pense, puisque tant qu'Eric habite avec moi, il utilise la voiture pour aller travailler. Et donc, s'il est encore là, il aura la voiture pour aller bosser. Et donc, on sera obligé d'attendre qu'il ait fini sa semaine pour pouvoir partir. Donc, s'il a déménagé avant, évidemment, on pourra partir peut-être le jeudi ou le vendredi, rester quelques jours de plus. On verra. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. On est censé partir le samedi et rentrer le lundi de Pâques, du coup, pour la reprise de l'école le mardi matin. Voilà, donc sur ces quelques mots, je vais reprendre mon activité ménage, puisque Marceau me l'a fait interrompre ce matin. J'ai plus grand-chose à faire, mais quand même, je voudrais que ce soit fini avant que les enfants rentrent de l'école. Et il faut que je reprenne mon linge là parce que ça fait quelques jours que je ne fais pas de lessive, c'est une catastrophe. Je peux pas me permettre ce genre de relâche, justement. Donc voilà, là j'en ai pas pour très longtemps. Je pense que dans une demi-heure j'ai fini ce que j'ai à faire et après je vais me poser tranquillement à monter ce vlog en avance. Du coup, comme ça, j'aurai plus qu'à rajouter les éventuelles séquences que je vais refilmer d'ici la clôture. Et puis ce sera fait. Comme ça, j'aurai moins de travail à faire ce soir. Et ça sera plus rapide à mettre en ligne. Voilà. Faut aussi que je reprenne la gestion de mon, enfin le suivi de mon compte Instagram parce que clairement, c'est une catastrophe. Je fais une formation pour l'améliorer, mais concrètement, ça fait une semaine que je n'y ai pas touché. Donc, c'est vraiment pas sérieux. Donc non, il faut absolument que je m'occupe de ça. Si je passe pas trop de temps sur le vlog. Je vais essayer de reprendre un petit peu ma formation et puis essayer de chercher dans mes photos un petit peu ce que je peux exploiter. Voilà, bon, allez, activation. Hey les amis, je vous reprends. Il est 18h30. Donc je vais clôturer ce vlog. À vrai dire, je devais le faire il y a déjà une demi-heure, mais Anaïs m'a téléphoné. Donc du coup, on a blablaté. Voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire parce que en fait avant son appel, je m'étais dit faut que je fasse le point là-dessus, que je reparle de ça. Ça va pas me revenir. Mais au pire, on en reparlera demain si vraiment il y a matière. Là, les enfants sont partis au bain, enfin les garçons en tout cas sont partis au bain. Du coup, moi je fais ce que j'ai à faire là. Clôture de vlog.
Eric est parti travailler. Et puis, je suis sûre que j'avais un truc à vous dire, mais ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas. Je ne sais plus. Ce n'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Du coup, quand les enfants sont rentrés, ben, on a pris le goûter, on a fait les leçons. Et puis ben, après, moi j'ai commencé le montage et puis Anaïs m'a appelé. Donc voilà, ça nous a amené jusqu'à maintenant. Voilà, donc là les enfants, comme je l'ai dit, Isa et les gars sont au bain. Elsa est encore dans la salle, mais elle va monter prendre sa douche également. Et puis on va s'activer. Demain, apparemment, c'est journée sans cartable, puisque en fait, la classe de Adam va fêter le 100e jour d'école. Donc, il est tout content, ça le réjouit. Bref, du coup, bah, ce soir, j'ai pas spécialement de choses à faire ce soir. Aujourd'hui, c'était une journée avec rien de spécial à faire, en fait, à part le garage ce matin. Et du coup, bah, je pense que je vais aller prendre un bain. Ouais. Un bon bain, bien chaud. Ça va me faire trop de bien. Donc, bah, on va pas trop tarder, hein. 18h37, il est. Donc, je vais clôturer ce vlog. Je vais monter enfin, cette séquence, puisque le reste du vlog est déjà monté. Et puis le mettre en ligne et ensuite eh bien, on va enchaîner hein, repas, routine de rituel de coucher et dodo. Et ben pour moi. Donc je me réjouis. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis ben, je vous dis à demain. J'ai pas encore prévu ce que j'allais faire demain, mais je vous dirai ça demain matin. Voilà, je vous fais plein de bisous, bonne soirée, à demain!